une belle récompense. En quelques mois, Meghan Markle a conquis le cœur de ses auditeurs américains avec son fameux podcast Archetype. Dans celui-ci, la femme du prince Harry aborde des thèmes variés sur le féminisme et les nombreux clichés qui sont liés. Des sujets dont elle discute avec des femmes influentes et des célébrités comme Serena Williams et Mariah Carey. Lancée en août, l'émission a pour but de combattre les stéréotypes, comme rappelle le magazine Gala. Et après avoir été brièvement mis en suspens au mois de septembre à cause de la mort de la reine Elisabeth II d'Angleterre, le podcast a repris de plus belle peu de temps après. Et le moins que l'on puisse dire si est que ce programme connaît un véritable succès. Archetype s'est en effet classé numéro 1 dans plusieurs pays, dont les États-Unis, le Canada ou encore le Royaume-Uni. Et ce jeudi 30 mars, le travail de Meghan Markle a même été récompensé. L'actrice de 41 ans a en effet reçu le Gracie Award des médias numériques pour son podcast. Une récompense qui vise à saluer le travail des femmes dans les médias et le monde du divertissement. Meghan Markle déjà récompensée pour son podcast, merci à la Fondation pour ce prestigieux honneur. Si est-il un succès que je partage avec l'équipe d'Archetype, composée majoritairement de femmes, et les invitées inspirantes qui m'ont rejointe chaque semaine, a réagi Meghan Markle dans un communiqué. Mais ce n'est pas la première fois que Meghan Markle est distinguée pour son podcast. Le 6 décembre dernier, la duchesse de Sussex a remporté le prix du meilleur podcast de l'année lors de la 48e cérémonie des People's Choice. Ce succès n'empêche cependant pas au podcast de Meghan Markle d'être confronté à des soucis judiciaires. La mère de Lily Beartshee a en effet récemment déposé malheureusement, d'après l'Office américain des brevets, Archetype serait identique en apparence, en son et en signification à une marque existante détenue par Project Miracle IP Holding, avaient indiqué nos confrères de Gala.